Lorsque les gens voudront et se réuniront afin d'anéantir El Mehdi El Muntadhar, ceci nous informera et nous confirmera l'arrivée d'El Mehdi. Et on pourra être sûr que cette personne est El Mehdi. Je leur ferai voir un monde sans limites ni frontières. Un monde où tout est possible. El Mehdi El Muntadhar. Le bien guidé, l'attendu. Quels sont les signes précurseurs de son arrivée? Et quels sont les événements qui surviendront en son arrivée et en son vivant? Toutes les réponses à toutes ces questions seront l'objet de cette rencontre bi'idhnillahi azza wa jal. Al-Mahdi al-Muntadhar prêtera bel et bien serment d'allégeance avec les croyants et les musulmans. Dans Masjid al-Haram, fi bayt Allah al-Haram, bayn al-Hajar al-Aswad wa maqam Ibrahim. Entre la pierre noire et l'endroit sacré d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque les gens voudront et se réuniront afin d'anéantir Al-Mahdi al-Muntadhar, ceci nous informera et nous confirmera l'arrivée d'Al-Mahdi. Et on pourra être sûr que cette personne est Al-Mahdi al-Muntadhar. Une armée se dirigera vers lui. Une armée qui viendra de la Syrie afin de l'anéantir. Comme il a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam muslim. Allah les engloutira. Allah les engloutira. Et Salama alors posera la question au prophète alayhi salatu wasalam. Ya Rasulallah, qu'en est-il de celui qui a été contraint de venir dans cette terre? Qu'en est-il de celui qui a été forcé de venir dans cet endroit vaste et désert et qui n'avait pas l'intention de tuer Al-Mahdi? Et il lui dira, sallallahu alayhi wa sallam, il sera englouti avec eux, puis il sera ressuscité le jour du jugement avec son intention. Il sera englouti avec eux, puis il sera ressuscité le jour du jugement avec son intention. Ainsi, lorsqu'Al-Mahdi al-Muntadhar entendra que les gens du mal se réunissent et les gens de la mécréance, et même quelquefois, et même pourtant, et cependant quelques musulmans se réuniront pour le tuer et se réuniront pour le contrôler, il se dirigera où, ayyuha l'ikhwa? Il se dirigera vers la maison sacrée d'Allah. Il se dirigera vers l'endroit de la paix et l'endroit de la sérénité et l'endroit de la tranquillité. Comme nous l'a dit Allah jalla wa ala, inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa huda lil-alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens est celle de Bakka, c'est-à-dire de Mecca, est celle de Bakka, bénie, et c'est une bonne direction pour l'univers. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Ils sont présents des signes évidents, et parmi eux, l'endroit sacré d'Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Et quiconque rentrera dans cette maison sera en sécurité et sera en tranquillité. C'est pourquoi Al-Mahdi al-Muntadhar alayhi salam se dirigera vers Baytullah al-Haram. Et alors il lui sera envoyé cette armée, remplie de renforts, et blindée, et plein d'armes. Et interviendra Allah Azza wa Jal. Il interviendra le Seigneur Jalla wa Ala, le Seigneur des cieux et de la terre, qui fera engloutir cette armée, soutien et victoire pour Al-Mahdi al-Muntadhar. Comme nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Aïchata radiallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, une armée se dirigera vers Mecca, les premiers et les derniers se feront alors engloutir. Puis ils seront ressuscités avec leur intention. Tout le monde se fera engloutir, car la plupart ont une intention de tuer Al-Mahdi, car la plupart ont une intention d'anéantir Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sauf qu'Allah Jalla wa Ala le protégera, sauf qu'Allah Azza wa Jalla le préservera de cette armée injuste et de cette armée tyrannique, et ce, en les engloutissant et en ordonnant à la terre de les avaler. Et il y va de soi, ayyuha l'ikhwa, ceci nous prouve l'énorme importance. Et ceci nous prouve l'énorme valeur que possède Al-Mahdi auprès de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ce jour-là apparaîtra cet homme. C'est un homme qui n'est pas comme les autres hommes. Et un roi qui se distingue des autres rois. Et un gouverneur qui diffère des autres gouverneurs. Et un calife et un représentant qui n'est guère comme les califes et les représentants. C'est l'homme, ayyuha l'ikhwa, qui par la volonté d'Allah Azza wa Jal fera passer l'état de la communauté et de la difficulté à la prospérité. C'est l'homme qui, par la permission d'Allah Jalla wa Ala, redressera tout ce qui est bancal et tordu et apaisera les cœurs qui seront désemparés et perturbés et soulagera et rassurera les gens qui seront apeurés et effrayés.
C'est l'homme qui, par la volonté d'Allah, améliorera la situation et le sort de nombreux pays et de nombreuses personnes. C'est l'homme qui sera guidé par l'ordre d'Allah et qui sera soutenu par la victoire d'Allah et qui sera renforcé par la puissance d'Allah. C'est l'homme qui, contre les ruses des ruseurs et contre les complots des comploteurs, sera protégé et préservé par son Seigneur et par son Créateur. C'est l'homme qui dirigera la prière et derrière lui un prophète parmi les prophètes d'Allah. Cet homme, ayo l'ikhwa, et ce représentant n'est autre qu'El Mahdi ou le Muntadhar. Et le point le plus important de cette rencontre, ayo l'ikhwa, et nous souhaitons que vous soyez attentifs à ce point, est que le règne d'El Mahdi ou le Muntadhar est une chose sûre et vraie. Et c'est également une des bases et un des fondements d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Et ce qui fait partie de l'aqida sahiha, de la croyance profonde d'Ahli Sunnati wal Jama'a, il est donc obligatoire et il incombe à tout musulman de croire en lui, car l'histoire d'El Mahdi a atteint les plus hauts degrés d'authenticité. Voilà ce qui est à propos d'El Mahdi il Muntadhar chez Ahli Sunnati wal Jama'a. C'est un descendant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et son nom correspond au nom du prophète alayhi salatu wassalam. فاسمه محمد بن عبد الله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده المهدي المنتظر le bien guidé l'attendu. Naam.